blessed memory, she will forever be remembered, Suzanne Kalalobe. At the age of 71, she left the stage. She left too soon. Many Cameroonians have been seen on social networks while sending warm messages of condolences to her friends, family, and well wishes. And we have our very own Mary Nash Limunga, who has been following all this trend on social networks, what Cameroonians have been seeing after the demise of Suzanne Kalalobe. Hello and welcome, Mary Nash Limunga. Hello, Dora Batinga. Good evening. Hello, Mary. And right off straight to what people have been saying on social networks, what have Cameroonians been saying? You know, we know that it has been a great loss for Dash Media team, Cameroon media as a whole, but Cameroonians themselves, what do they have to say? Yeah, our very own icon, journalistic icon, we all say Suzanne Kalalobe. She passed on to glory. That was a couple of weeks ago. And so many people out there on social media are actually commenting on every post, because you find many people, bloggers, you find even individuals who are actually retweeting and reposting under her photos and many other stuff concerning her work. You find people comparing her professional life and her sociable life. And so it's actually really hot right there on social media, as everyone is just giving warmth, condolences all around. You find even media personalities, all the medias, as far as communication is concerned in Cameroon, Dora Batinga, they are all there active on social media since the day she died, Suzanne Kalalobe, Dora Batinga. Definitely, Mary. Maybe you have a short list of some of the top comments of the tributes some Cameroonians have been paying, as those sweet messages. What were they saying on social networks? Yeah, so Dora Batinga, especially in the comment section, you're going to find so many people there. Popular message you find there is that her soul, her gentle soul, to actually rest in peace, because she's actually been an icon as far as professionalism is concerned in the world of journalism and all the like. And so that is why you find all these other people right here who are actually saying setting ground with them, like they actually give remarkable stuff about her life, and everything that has to do with her as far as professionalism and her social life is all concerned, Dora Batinga. So you find people leaving long messages, lovely messages, that she has to actually, it's true, she has gone, but then she has left her family with a very greater loss in their family. And so this is actually the thought in their family. They are actually draining as far as everything is concerned right there. We're all draining, even at Dash Media. Her presence is still being felt. You know, I can still picture her walking around the corridors of Dash Media Enterprise, where she has her very popular program at Dash Radio every Sunday. She was ever punctual and ever, she had an ethics that was quite recommendable. She's the few that were not afraid to say what is white and what is red when it comes to Cameroonian media. She advocated for the population. She was that epic bridge between the plight of the population to the authorities that be forever. She will indeed be remembered, Mary Nash Limunga. She will actually be remembered. And then you find still on social media, people are actually giving an accent on the fact that she is a female journalist who was actually very remarkable. It is very rare to find female journalists who have actually marked the world of journalism and everything that has to do with information out there, Dora Batinga. So that is why you see many people giving her praises, and others are like, okay, may God in heaven actually forgive all her sins if she has any. Because, you know, she has actually been that woman who wants to go towards perfections, Dora Batinga. And talking about her femininity, you know that she rose at a time when gender equality wasn't as improved as we have it today. Sure. And she had that ability to speak within men and speak very boldly intimidate the men at her prime. And that is what some people have commended her actually for, standing her ground at a time where female journalism was little known in the country, stamping her name and writing it where it can never be erased today. And we're still paying tribute to Suzanne Kalalobe. Thank you very much, Mary Nash Limunga. Welcome, Dora Batinga. Do have a lovely day. You too. And of course, as Cameroon continues to mourn the demise of Suzanne Kalalobe, the mayor of the urban council of Douala, Roger Mbassadine, has indeed gathered or honored today, August 22nd, in respect of Suzanne Kalalobe, notably a clean-up campaign. Larissa Libom. En effet, Dural Batinga, vous l'avez dit, pour saluer la mémoire de cette grande dame, Dr. Roger Mbassadine, le maire de la ville de Douala,
informe les populations que la ville de Douala rend hommage à Suzanne Kalalo-Bébien ce 22 août 2024. Elle est décédée le 1er août dernier, on le rappelait justement à l'entame de cette édition. L'illustre disparue était une icône médiatique au rayonnement international qui a activement milité pour la promotion de la salubrité, de l'attractivité même et de la culture de la ville aux côtés de la communauté urbaine de Douala à travers l'association Les Amis de la ville de Douala. Et à cet effet, pour honorer sa mémoire, le maire de la ville a élaboré une séance d'investissement humain pour les habitants de la ville de Douala. Le maire qui a invité toutes les populations à se joindre à la communauté urbaine de Douala dans cette démarche, conformément au programme qu'il a justement annoncé dans son communiqué de 7h à 10h. Il y a eu investissement humain et justement sur les lieux de cet investissement humain dans les 5 différentes communes continentales de Douala en hommage à Suzanne Kalalo-Bé. Nos reporters se sont rendus sur les lieux. Il faut préciser qu'à 15h, entre 15h et 17h, il y aura une table ronde à la salle Rodolphe Tokoto de l'hôtel de ville à Bonanjo sur le thème Suzanne Kalalo-Bé, une ville, un engagement, une table ronde à laquelle nos reporters prendront également part. Et par ce communiqué, il faut dire que Douala n'a pas manqué de rendre un hommage à l'une de ses filles préférées. Ce jeudi, la ville s'est mobilisée pour un nettoyage exceptionnel en mémoire de Suzanne Kalalo-Bé, figure emblématique du journalisme et ardent défenseur de l'environnement. Un jeudi propre, sous le signe du souvenir, les Doualais ont rendu un dernier hommage à Suzanne Kalalo-Bé en nettoyant leur ville, cause qu'elle avait à cœur. Nos reporters Serge Bertrand ici, Emmanuel Kenjissi. Les populations et la ville de Douala ont décidé par un acte symbolique de rendre un dernier hommage à Suzanne Kalalo-Bé, décédée. Alors, sur l'ensemble des 5 arrondissements de la ville de Douala, ils ont décidé de consacrer quelques minutes de leur précieux temps à l'investissement humain, en hommage à cette fervente défenseur du droit de l'environnement. Alors, allons-y écouter quelques témoignages de ces femmes qui ont bien voulu se prêter au jeu du témoignage sur Dash Télévision. Oui, nous travaillons tous les jeudis propres, mais exceptionnellement pour le décès de cette grande dame de la communication. Aujourd'hui, nous faisons ça pour elle, pour cette journée. Nous faisons ça pour elle parce que c'était une grande dame. Nous lui rendons hommage aujourd'hui. Que la terre de nos ancêtres lui soit légère, parce que vraiment, nous avons mal pour son décès. Adresser les condoléances à notre sœur qui a travaillé à Isakam, qui a travaillé parmi nous et qu'elle a perdu sa vie en ce moment. Elle nous a coûté très cher. Donc vraiment, nous voulons lui rendre hommage, qu'elle se repose en paix. Et nous faisons ce travail aujourd'hui uniquement pour elle, parce qu'on a l'habitude de travailler ici, faire la propreté, mais aujourd'hui, c'est spécial pour elle. Bon, nous sommes les femmes dynamiques 10. On travaille avec la mairie de Douala 2e et chaque jeudi, nous faisons ce travail, c'est de rendre les rues de nouvelles propres. Donc, bon, exceptionnellement, aujourd'hui, nous le faisons aussi en rendant hommage à la grande dame, Suzanne Kalalo-Bé, qui a œuvré aussi pour la propreté de l'environnement. Voilà. C'est tout, quoi. Nous avons l'habitude de travailler tous les jeudis. Jeudi propre. Oui, c'est notre façon aussi de rendre hommage à Suzanne Kalalo-Bé. Parce que c'est une grande activiste. Et elle aussi, elle œuvrait pour l'environnement de la ville de Douala. Donc nous rendons hommage à cette grande femme. Nous sommes une association des femmes unies pour le développement en Abuja du Sud. Bref, comme par l'accoutumée, nous avons l'habitude d'effectuer le jeudi pour l'assainissement de l'environnement. Mais en cette journée du jeudi 22 août, nous avons pris l'initiative de rendre hommage à notre chère et tendre maman Suzanne Kalalo-Bé, qui en avait également l'habitude d'entretenir l'environnement. Nous joignons nos voix à celles de ces Amazones pour rendre un vibrant hommage à Suzanne Kalalo-Bé. Et quoi de plus naturel que de le faire par ce geste symbolique pour lequel elle avait entièrement dédié l'un de ses combats, celui de défendre l'environnement. Depuis le parcours des 5 arrondissements continentaux de la ville de Douala, nous sommes Serge Bertrand ici, Emmanuel Kenjissi pour Dash Télévision.
Mettra ici un vibrant hommage à Suzanne Kalalobé du côté dans la ville de Douala, dans ses différents arrondissements de la ville, Durel Batinga, immersion à son domicile à présent, nos reporters se sont rendus dans sa famille. Definitely, Larissa Libom, our reporters were at her family home, notably Rita Zinia, where they were speaking to a couple of relatives and the head of the Canton clan to find out more of her who Suzanne Kalalobé was at her prime. You know, more tribute to iconic lady was passed on to glory and will be journeying to the world beyond. Rita Zinia takes us through more tributes for Suzanne Kalalobé in this piece. Le plaisir d'accueillir Suzanne Kalalobé, notre édito. News of the demise of Suzanne Kalalobé, fondly called Masu, hit Cameroon's media landscape like a thunderbolt on Thursday, August 1. At her family residence in Bali, Douala, friends and sympathizers who are yet to come to terms with her disappearance are trooping in to confirm and condone with the family. A family too grieved to talk to the media, but who designated a family friend to make a statement. According to the family friend, arrangements were ongoing for Masu to leave the Douala Military Hospital, where she had been receiving treatment for an illness. Suzanne was ill. You were waiting for her to return home. It was planned for this weekend. Unfortunately, we do not know what happened. Things turned out differently. Before her death, Suzanne Kalalobé was working on a project which unfortunately would not see the light of day. Bon, vous l'avez connue. Elle était... Well, you knew her. She was rigorous with work. She had her convictions that she put across. These last moments, she had a problem because we had a project which was to come back and gain strength to achieve what we had in mind. Unfortunately, it stops there. En pensée, malheureusement, on s'arrête là. Admirers and followers of the editorialist and emblematic journalist say it is a huge loss to the Cameroonian media. They have called on the younger generation to follow in her footsteps. Icon, a lady which I used to see on TV, especially on different debates, talking about political issues affecting the nations and other countries. So she drew my attention towards knowing more about different aspects of political instruments and other journalistic instruments. So it was a good lady, and I think that she left behind a great memory with other journalists who maybe have adopted her system or her ways of working. Born on January 16, 1953 in Douala, Suzanne Kalalobé was the daughter of Sarah Beboi Kuta Kalalobé and Iwiye Kalalobé and was part of a family of 8 children. She leaves behind a devastated family, friends and colleagues to mourn her. One love indeed, those memories are still very fresh in our minds there, short on Dash Media premises. That was Suzanne Kalalobé feasting, enjoying, celebrating with some of Dash TV's technicians. Indeed, she left too soon and will forever be remembered. Well, Dash Media team went to her family premises earlier on yesterday to find out how things were being done there, and the family took our time to detail some anecdotes of Suzanne Kalalobé in her days while she was still alive. Right, Larissa Libon? Justement, Durel Batinga, quand on voit des souvenirs de Suzanne Kalalobé se mouvoir avec ses jeunes collègues sur cette chanson One Love, il faut dire que ce n'était qu'une partie d'elle, Durel Batinga. Direction à présent le domicile de Suzanne Kalalobé pour un moment de partage avec ses proches. Dans l'intimité de son foyer, nous avons rencontré sa famille qui nous a ouvert les portes de leurs souvenirs. Suzanne Kalalobé était une femme libre, disent-ils. Elle a fait des choix qui pouvaient paraître difficiles, mais elle les assumait. Au-delà de la femme forte que tout le monde pouvait percevoir à la télévision, vous serez surpris de découvrir que Masu était fragile finalement. Elle se mettait au service des autres et c'était une femme libérée. Marie Vandongo. Je suis Suzanne Bema Kalalobé. Ça tourne. Son départ est d'autant plus douloureux pour nous au regard de son engagement
un engagement multiforme au sein de la communauté. Elle n'avait pas beaucoup de relations. En tout cas, moi, ce que je connais, ce que j'ai vu, peut-être si elle avait en cachette. Mais Suzanne n'était pas quelqu'un, une fille qui fait des choses en cachette. Ou elle fait, ou elle ne fait pas. Quand je suis devenue maman, Suzanne était toujours présente, avec le soutien moral, le soutien de folie avec mes fils. J'ai 6 garçons et qui sont aujourd'hui dans une douleur que j'ai surnommée tsunamique. Car personne ne se relève là avec ce qui nous est arrivé. Et en tout cas, c'est un vide. C'est une partie de moi. Je sais que le temps fera son effet, mais pour le moment, il ne fait rien. Un grand compagnon, Béa. Yako Béa. Le Sénégalais dont je parle, ils étaient dans leur équipe des révolutionnaires qui veulent révolutionner l'Afrique et qui étaient éprises d'elle et qui s'était mis dans sa tête qu'il va épouser, il peut épouser Suzanne. Mais Suzanne avait déjà Béa et je crois que c'est pour cela que elle n'a jamais, mais le Sénégalais espérait toujours. C'était une dame très pragmatique. Elle se fixait des objectifs et très souvent, elle atteignait. Elle était à la fois très sociale et discrète dans la communauté. Elle a dit qu'elle ne veut pas se marier. Elle ne veut pas avoir des enfants. Ses soeurs et frères ont des enfants, ça suffit. Surtout, Béa voulait les enfants, Béa voulait le mariage. Si j'ai porté des enfants, ma sœur a eu des enfants. Et je veux dire, personne ne peut dire ça. S'ils étaient là, ils te diront non, c'est notre maman. C'est vrai qu'elle ne les a pas portés, parce qu'il ne faut pas être mère. Parce que pas, mère ne veut pas dire porter. C'est aimer, donner tout l'amour. J'ai eu la chance de porter des enfants, j'ai eu la chance d'adopter aussi. Donc je suis mère, pareil. Donc Suzanne est mère. Béa a dit bon. Suzanne ne veut pas de mariage. Mais je dis séparez-vous alors. Elle se faisait des scènes de jalousie. Des histoires. Je dis non, vous n'avez pas besoin de le faire. Toi, tu ne veux pas de mariage. Tu ne veux pas d'enfant. Toi, tu veux mariage. Tu veux d'enfant. Séparez-vous. Elle a fait un choix sans vouloir le faire, qu'il a pris avec l'âge. Comme je dis souvent, malheureusement, les femmes, on a l'horloge biologique. Hein. À un certain âge, on ne peut plus. Et je crois qu'elle s'est laissée prendre par cette horloge. Et en même temps, comme elle a vu l'amour de ses neveux et nièces, elle s'est dit, ben, je n'ai pas besoin de porter, je les ai. Elles ont fait le travail pour moi, c'est super. Et effectivement, on a fait le travail pour elles, je ne regrette pas. Alors, quand c'était avec les neveux et nièces, c'est tous les Walt Disney qui sortaient, les films, parce qu'à l'époque, il y avait encore l'apartheid, tous les films sur l'apartheid qui sortaient, elle aimait aller les voir, mais elle était plus livre que cinéma. Elle est née dans la culture, entourée de culture. Moi, j'étais enseignante, son père un journaliste. L'héritage du livre, on l'a tous eu de notre père. Parce que quand on est arrivé à France, on était un petit groupe. Même si on était frères et sœurs, on était plusieurs. Donc mon père nous a donné ce goût de la lecture. Et elle lisait beaucoup. Elle était elle aimait aussi bien aller au théâtre. Ça, elle aimait beaucoup. Se promener et chanter. Elle chantait tout le temps. Il appelait Dame de Fer, la grande dame. Toi balé longue masae, toi balé baby hong lela. Gui hani machin, mais bon, naga bon mandigi, we mongo me pest nidi, wunda boy. Elle voit dans les autres pays africains ses compagnons de guerre ou de bataille. Comment ça évolue dans leur pays? Mais le Cameroun, c'est comme.
C'est comme nous avons le mot Cameroun. Ça ne passe pas. Ça n'évolue pas. Jusqu'à aujourd'hui, regardez tout le cinéma que vous faites là. Les écoles, quand on dit oui, nous avons maintenant, on avait une université. Maintenant, on a 50 ou 60. La quantité vous suffit, la qualité est où? Regardez ce qui vient de se passer. Quand on fait dans un pays, les bacheliers, 35% d'admission, il faut déclarer une année blanche. Son engagement s'est fait ressentir auprès de la jeunesse. Elle a mené des activités de coaching, de conseil auprès de ceux des jeunes qui voulaient se lancer dans les métiers de la communication. La tata la plus folle, c'est-à-dire que quand je disais non à mes fils, ils appelaient Suzanne parce que je les ai élevés dans la tradition comme nous. Le nez à parler, on se tait. Donc ils appelaient Suzanne qui me disait « Mais qui t'a dit de dire non à mes fils ?» Et donc j'appliquais. Elle les emmenait partout. Elle a fait des scandales avec eux au cinéma. Elle voulait emmener un de ses neveux, qui est son fils, parce qu'il porte son nom. Et c'est son héritier, mon troisième fils. Et à l'époque, aucun enfant n'entrait au cinéma. Elle a bloqué la salle de cinéma au Forum des Halles en disant « S'ils ne rentrent pas, personne ne rentre. » Elle était déterminée, ils sont rentrés au cinéma. Et une autre anecdote avec les neveux, toujours. Ils allaient souvent chez elle. Et un soir, ils faisaient du bouquin. Elle leur a dit « Bon, sortez. Comme vous pensez que vous êtes grand, on va courir. » Elle a été surprise parce qu'ils ont couru pendant une heure et demie. Parce qu'à 18, 7 ans, tu trouves ça drôle que ta tante vous amène. Et un autre, je sais que mes nièces m'en voudront. On allait souvent à l'Aquapalace, à la piscine. Et quand on arrivait, on lui disait « Mais où sont les cabines ?» Il dit « Il n'y a pas de cabine, faut se déshabiller sur le bord. » Et tous comme des moutons, donc on essayait pudiquement de se déshabiller. C'est longtemps après que ma nièce m'a dit « Tati, tu te rends compte ? Il y avait des cabines et Tati Suzanne nous faisait déshabiller le bord, sur le bord de la piscine. » Donc, c'était elle. La tata, en même temps folle, libérale, libre, et qui aimait énormément, énormément ses enfants. Au-delà de la grande personnalité qu'elle a été, la grande dame qu'elle a été dans votre corporation de journalistes et dans la communication au Cameroun, elle s'est illustrée par son engagement, notamment chez nous, auprès de la femme pour laquelle elle a milité pour l'autonomisation. Elle a, avec le concours de son Altesse royale, la reine Clarisse et Boumbou Douala Mangabel, œuvré pour la promotion du Kaba. Elle a apporté des éléments de communication au sein de la chefferie pour une communication efficace. Elle a co-organisé, elle a participé à l'organisation de la célébration du Tété Combo, Rodolphe Douala Mangabel, au cours de laquelle elle a organisé des conférences débats en invitant des personnalités qui ont pu nous entretenir sur cette période coloniale. Pour ce type de personnes, dans nos us et coutumes, nous avons un déploiement, nous avons des actions que nous menons. Donc, pour ceux qui seront présents à ces obsèques, ils remarqueront cela à coup sûr. Le canton, la communauté dans son ensemble se prépare à lui donner des obsèques dignes de son rang et de l'apport dans la communauté. Je vais vous lire un témoignage d'une amie d'enfance. Quand nous sommes arrivés en France, après Neuilly, on est allé habiter à Fresnes, on est resté longtemps. C'est une de ses amies, de plus de 60 ans, qui lui écrit un petit mot pour ce départ. À Suzanne, tu es partie et tu emmènes une partie de nos cœurs. Vole, vole au-dessus de la douleur et n'oublie pas de chanter parmi nous et de veiller sur les tiens. Avec regret et toute notre tendresse, Geneviève. Je tiens au nom de son Altesse royale Jean-Yves Boumbou Douala Mangabel, chef supérieur du canton Bel, à adresser une fois de plus nos sincères condoléances à la famille éprouvée ainsi qu'à toute la communauté. C'est une lumière qui s'éteint dans la communauté. Elle restera vive dans nos mémoires, dans la mémoire collective. Et nous espérons que Niambe Wekela lumiera de l'autre côté.
What moments there, rich in emotions, of course, Thierry. Indeed, they are rich moments, rich tributes to Suzanne Kalalobe from the closest who were to her as she now journeys to the world beyond to leave us too soon at the age of 71. Indeed, she left a mark that will never be wiped and images, memories that will live with us for a lifetime as we continue to wish her a farewell to the journey as she journeys to the world beyond right now, Suzanne Kalalobe. But if what Camonians, many the ordinary who were never too close to Suzanne could vividly remember is her passage on the TV screens across various angles, be it politics, culture, she was known to be very firm, strict, unbiased in her analysis, not afraid to speak among the men, nor of the repercussions. She indeed, her appearances on TV were highly viewed. Indeed, Larissa. En effet, Durel Batinga, merci à toute l'équipe d'H Télévision qui nous fait découvrir. Aujourd'hui, nous allons revivre tous les moments de Suzanne Kalalobe dans sa famille, sur les plateaux de télévision, cette voix qui nous accompagnait sur les plateaux de télé, qu'il s'agisse de décrypter l'actualité politique, d'analyser les enjeux économiques ou même de partager sa passion pour la culture. Elle maîtrisait tous les sujets avec brio, avec sa culture générale impressionnante et son esprit critique aiguisé. Suzanne Kalalobe était une invitée de marque sur tous les plateaux. Je vous propose de revivre ces moments où Suzanne ne manquait pas de donner son avis. Ça dépend à quel niveau on se situe en examinant les coups d'État comme un fait sociologique, anthropologique et politique. Si on examine ça d'un point de vue sociologique, on peut dire que ça n'aura pas d'incidence en Afrique centrale. Parce que nous ne sommes pas dans les mêmes trajectoires, dans les mêmes constructions d'État, et les agressions dont sont victimes nos frères du Sahel ne sont pas les mêmes, même si nous aussi on a les djihadistes et le Nozo. Ça, c'est un point de vue. Et le deuxième aspect, c'est la qualité des États de l'Afrique du Sahel, qui sont des États faibles, qui ont été construits sur la base des coups d'État continus, avec des fractions qui ne s'entendaient jamais et qui se sont combattues tout le temps. Et maintenant, si vous voulez, il y a un discours qui environne tous ces coups d'État pour faire croire qu'ils sont plutôt l'issue des revendications néo-souverainistes. Exactement. D'Africains qui disent qu'ils en ont marre de la France. Or, la France n'est pas le seul prédateur sur notre continent. Ça, c'est d'un. Et ensuite, les militaires à eux seuls ne peuvent pas renverser la vapeur des prédations des multinationales. Ce qui veut dire qu'en termes de structure sociologique, il me semble que ces coups d'État n'auront pas d'impact, pas sur l'Afrique centrale, parce que d'autres pays de l'Afrique centrale ont eu leur coup d'État, ouais, comme la RCA et puis le Tchad. Mais sur des pays comme le Cameroun, ça va être un peu compliqué. Le Cameroun est bien plus vaste que les pays que l'on cite. Il est bien mieux organisé militairement et du point de vue sécuritaire. Et ensuite, si vous voulez, ça, ce que j'appellerais ça, son cash sur le plan politique n'est pas le même que ces autres pays. Et enfin, sa structure sociologique aurait du mal à faire penser à ce qu'il puisse y avoir un coup d'État aussi au Cameroun. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas eu des factions qui se sont opposées les unes aux autres. On a des fractions politiques qui s'opposent les unes aux autres, mais pas des factions militaires qui s'opposent les unes aux autres. Et ensuite, malgré tout le discours tribalo-ethniciste, il n'y a pas vraiment une organisation ethnocide au Cameroun, malgré tout ce que l'on dit. Et si cette organisation ethnocide avait lieu, ça ferait longtemps que Paul Biya ne serait plus au pouvoir, malgré tous les entre-gens de tous ceux qui souhaitent la fraction ethnicide. Ça veut rien dire, ça peut être juste de la démagogie. Je donne, parce qu'on me donne juste une petite chaussette, je suis contente et je m'en vais pleurer dans les bras de ma mère. Ma mère m'a expliqué qu'elle est enseignante. Elle a 95 ans aujourd'hui, d'accord ? On lui doit énormément d'argent. On ne lui a pas remboursé. Ce n'est pas les gros cylindrés qu'elle veut. Elle n'en a rien à faire. Qu'on paye les enseignants à leur juste prix. Et la revendication, c'est ça. Je veux dire que bon, on a offert les gros cylindrés. Pour moi, ces gros cylindrés ne répondent pas à la question du financement du budget de l'éducation ni des enseignants.
spécialiste des larmes. Dès qu'on me touchait, avant même qu'on me touche, je pleure. C'était sincère ou c'était du chantage souvent? Non, je pleurais, j'étais comme ça. En fait, ce que les gens ne comprennent pas, c'est que les gens comme moi sont des êtres sensibles. Mm. Sensibles à tout. Et parce que nous sommes sensibles, on pleure facilement. Mais en même temps, on a la force de poser aux gens la résistance qu'il faut. Tout à fait. Mais je pleurais quand j'étais enfant, beaucoup, 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 beaucoup. On m'appelait, comment on m'appelait, je sais pas si ma mère est en train de regarder, mais on m'appelait Mbembe, un truc en doigt là, comme ça, qui voulait dire que j'étais une pleureuse. Je pleurais pour tout. Non seulement je pleurais, mais j'étais extrêmement jalouse. Oui. C'est-à-dire que si, par exemple, ma mère achète un vêtement neuf à une de mes sœurs, bien qu'elle m'a acheté le mien la veille, je faisais le scandale. Parce qu'il fallait qu'on vous achète un autre non, même non, jour. Non, ce même jour, en même temps. Et j'avais la fièvre, hein, pour de vrai. Donc j'étais une enfant, si vous voulez, je crois, bon, c'est ma mère qui peut mieux le dire que moi, mais pour ce que j'ai comme élément, j'étais sensible. Sensible, mais en même temps très teigneuse, bagarreuse. Je ne voulais pas me laisser faire. Peut-être c'est... Malaika, nakupenda malaika, napulande longomo na douala. Batu binde, yo yemba, o bébé namba. Les gens se moquent de moi, mais na kupenda, malaika. Voilà quoi. Malaika, na kupenda malaika. Malaika, na kupenda malaika. Ninge kuo wa madiwe. Ninge des souvenirs qui resteront à jamais gravés dans nos mémoires. Suzanne Kalalobé, il était une fois, elle fut une grande dame, elle fut une grande voix du journalisme camerounais et même au-delà. Durel Batinga, on est arrivé à la fin de ce passage, de ces différentes rubriques sur Suzanne Kalalobé. Immersion dans sa famille, on est revenu sur ses éditions télévisées, sur ses débats, sur ses prises d'opposition, on a fait le tour quand même. Indeed, Larissa, we have done the roundup of our journey throughout our career, passages on TV, the tributes from our family members, and when some tributes, some you know, anecdotes when she was a little child, you know, from the very closest to her, as we pay tributes to Suzanne Kalalobé, and we can only say may her gentle soul continue to rest in perfect peace. Just to remind our viewers that she will be buried on August 23rd in her family residence in Bali. Dash TV, of course, will be accompanying all of that procedure to bid her final respects to Suzanne Kalalobé as she journeys to the world beyond. Larissa. En effet, l'édition spéciale qui se poursuit avec Marie-Yvonne Dongo et Nelly Lapa qui reviendront sur d'autres séquences de la grande dame qui laisse un héritage indélébile, Suzanne Kalalobé Forever sur Dash Télévision. Merci à vous, Larissa Libom et Durel Batinga. Nous poursuivons donc ces hommages à cette icône du monde médiatique, du monde de la culture camerounaise. C'est bien Suzanne Kalalobé, Nelly Lapa. Exactly, Marie-Yvonne Dongo, just like her friends, just like relatives, friends equally had interesting things to talk about this woman, which they described as a walking encyclopedia. Anyone who came across her had one or two things to learn from her. And right now, Marie-Yvonne Dongo, we shall be going to listen to what her friends had to say about her, the companionship she used to give with them and the experiences they had been by her side. Effectivement, Nelly Lapa, qui de mieux que ses amis pour parler de ce qu'aura été Suzanne Kalalobé. Nous prenons son ami, un compagnon de route. Il s'agit bien de Jean-Célestin Edjangue, qui revient dans l'élément qui va suivre sur le chemin qu'ils ont parcouru ensemble. Il parle d'une grande voix de journalisme, il parle d'une militante engagée et d'une véritable passionnée. Jean-Célestin Edjangue parle de l'amitié qui aura duré toute une vie. Écoutons.
Alors, merci de me recevoir. Un mot pour décrire Suzanne, c'est, je dirais, complexe. Complexe parce que elle faisait peu de choses comme tout le monde. Elle avait du caractère, c'est un euphémisme que de le dire. Elle était brillante intellectuellement. Elle avait un système de pensée qui détonnait par rapport à la norme habituelle. Elle était très travailleuse, sportive. Elle aimait chanter. Et elle chantait bien. Mmh. Et puis, elle était très fidèle. Fidèle en amitié, fidèle en camaraderie, fidèle... Dans ses convictions. Dans ses convictions. Moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à travailler avec elle pendant très longtemps. Le Cameroun la découvre un peu sur le tard, parce que la militante de gauche qu'elle est, c'est pas au Cameroun qu'elle commence son militantisme. Non, c'est pas au Cameroun qu'elle le commence. Mm. Moi, je l'ai connue en France, vendant sous le manteau La Voix du Cameroun, qui était le journal de l'UPC. Mm. La branche, le Manidem. Manidem, c'est ça. Mm. Et je l'ai connue aussi, effectivement, arpentant les marchés, que ce soit dans divers arrondissements de Paris ou dans la banlieue parisienne, pour défendre ses convictions. C'était une femme libre, libre d'expression, libre de mouvement, et qui ne laissa à personne le loisir de vouloir la contraindre dans une impasse ou dans une voie sans issue. Que cette audace-là, qui frisait un peu pour certains une espèce de mépris, rendait la collaboration, votre collaboration, difficile, ou bien est-ce que vous appréhendez aussi souvent des plateaux de débat avec Suzanne, parce qu'on ne savait pas quand est-ce que Suzanne pouvait dégainer. Oui, c'est vrai qu'elle avait l'étiquette d'électron libre, hein, et que d'insaisissable même. J'ai jamais eu peur de ça, parce que dès que j'ai eu à bien la cerner, et je dis encore une fois, pas seulement au Cameroun, depuis Paris, même si je ne la fréquentais pas, mais je connaissais son mode de fonctionnement, et dès que j'ai eu cela, je n'ai pas eu besoin d'avoir peur de quoi que ce soit. Ce que j'appréciais le plus en elle, c'est qu'elle soit une femme d'idées. Suzanne, c'était d'abord un combat d'idées, c'est-à-dire que chaque chose qu'elle disait était argumentée. Et quand c'est comme ça, c'est difficile de ne pas reconnaître qu'elle était aussi brillante intellectuellement. Elle disait rarement des choses... j'allais dire de bas étage, quoi, sans fondement, voilà, c'est ça. Il y avait toujours de la profondeur. Il se trouve que elle a dû déceler cela aussi en moi, mais dans un caractère totalement différent. Camille Bruyant, qui a décidé aussi, aimait nous le dire sur le plateau de télévision ou dans les émissions, elle trouvait qu'on formait un duo qui était formidablement équilibré, oui. Elle étant le feu et moi l'eau. No. Ouais, mmh. Et ces deux éléments faisaient que, effectivement, quand elle montait pour se matcher, moi j'étais toujours là pour faire la réception, faire le réceptionniste, pour recadrer, tempérer, modérer. Sincèrement, moi ça a été un bonheur inégalé, inestimé, incommensurable de travailler avec elle, mais aussi de la connaître en dehors du travail. C'est l'instant, on va se quitter, et juste en rappelant peut-être cette phrase qu'aimait bien répéter Suzanne, peut-être sur la fin. Elle disait que son franc-parler est la raison pour laquelle les gens me traitent de tous les qualificatifs. Elle aimait le dire. Et elle souriait.
parce que sur les plateaux, parfois, elle voyait, elle lisait facilement la panique dans le regard de ses copanélistes. Et elle en souriait tout simplement. Et elle aimait bien titiller. Qu'est-ce qu'on retient? 71 ans, Suzanne s'en va. Deux mots pour la fin, Céleste. Alors, comme elle était aussi artiste, j'emprunterai un peu le poème de Birago Diop en disant que les morts ne sont pas morts. Et j'ajouterai que sa dimension artistico-journalistique va forcément continuer à faire que l'on retrouve Suzanne entre deux lignes, entre deux bâtiments, quelque part dans l'air, dans l'esprit, parce qu'elle était un peu tout ça. Quoi. Voilà. Suzanne était Suzanne, mais je pense qu'en chaque génération, du moins de journalistes qui ont eu la chance de travailler à ses côtés, ces journalistes ont un peu de Suzanne. Et lorsqu'on réussit à transmettre ce peu-là, on ne meurt pas, on dort. Suzanne, finalement, pour nous, on salue et on célèbre sa vie. Et on se dit peut-être qu'elle mériterait une reconnaissance de la part du Cameroun, Célestin. Peut-être, mais le Cameroun a ceci de particulier qu'il ne reconnaît pas toujours facilement les siens. Ses fils et ses filles, il les reconnaît parfois, mais pas toujours facilement. Mais elle fait partie de ses fils, de ses filles qu'on reconnaît. Je pense qu'on devrait la reconnaître parce que elle le mérite tellement. Elle a tellement fait pour ce pays. Et moi, je voudrais terminer en reprenant la conversation que j'ai eue avec sa maman il y a même pas 5 jours, qui me disait que pour elle, aujourd'hui, Suzanne est devenue un ndoti, en langue douala, qui veut dire un rêve. Et moi, je lui dis, mais maman, mais tu sais que le rêve a ceci d'extraordinaire que il te fait espérer. Tu attends quelque chose. Elle dit, oui, justement. À la différence de Suzanne, c'est que c'est devenu un rêve inatteignable. C'est-à-dire qu'on rêve d'elle, mais on sait qu'elle ne sera plus là, physiquement, même si elle restera dans l'esprit là. Jean-Célestin Edjangay, ami de longue date de l'icône Suzanne Kalalobé. Suzanne Kalalobé, c'était également son ancrage dans l'univers de la politique. Et justement, nous avons donné la parole à plusieurs hommes politiques camerounais qui reviennent donc sur le parcours de Suzanne Kalalobé. Cette classe politique qui reste toujours sans voix après le décès de l'icône. Elle savait, la classe politique, qui savait toujours tenir justement pendant les plateaux télé avec Suzanne Kalalobé, qui s'assurait toujours d'assurer le contre-pied des idées universelles. Plusieurs hommes politiques redoutaient toujours de l'affronter sur les plateaux. Son style, son verbe au Manidem comme au PCRN ou alors au Social Démocratique Front ou encore au mouvement politique pour le changement du Cameroun, le MPCCC. Tous parlent unanimement d'une Suzanne Kalalobé qui aura marqué les esprits. Stéphane Dibébé. Ça dépend à quel niveau on se situe en examinant les coups d'État comme un fait. Qui mieux que Suzanne Kalalobé ces 2 dernières décennies au Cameroun sur les plateaux de télévision? L'icône du journalisme parti à 71 ans sonné, des suites de maladies, laisse un vide énorme dans la sphère politique. Suzanne était une femme impétueuse, une battante, une militante, mais à côté de cela ou en face de cela, quelqu'un de très affectueux, de très jovial, de très sociable. Nous passions ensemble ou avec d'autres camarades des moments euphoriques. Et particulièrement, Suzanne était une dame, d'abord une anticonformiste, une femme dynamique, une femme distinguée par sa voix, par sa parole, par son expression, assez cultivée. Et je pense qu'on retient de Suzanne une personne qui est venue apporter quelque chose de différent dans le monde de l'engagement politique. Ses multiples combats politiques qu'elle revendiquait savamment à travers sa riche carrière de journaliste ont su faire d'elle une plume inoubliable. Dans les différentes chapelles médiatiques où Suzanne Kalalobé a apporté du sien, tous saluent l'expérience, le style, la méthode de cette icône du micro.
Elle a fait ses preuves, on l'a connue à la presse, à la radio, à la télévision, et je pense que c'est un vide, un grand vide qui va s'installer, et elle nous manque énormément, son savoir, son expertise, son expérience et son vécu, qui devait également être quelque chose, qui devait être comme une sorte de bibliothèque. Suzanne Kalalobe fait partie des femmes journalistes engagées qui, pour moi, m'ont marqué sur la scène médiatique et surtout sur son engagement politique. Elle avait des positions tranchées sur le système de gouvernance, sur la gestion de la cité et sur le régime camerounais et même sur le panafricanisme en général. Elle avait une opinion bien tranchée et que personne n'ignorait. Alors cette dame que moi j'ai rencontrée politiquement et dont on a eu à faire plusieurs échanges, débats, on n'avait toujours pas des idées qui convergeaient, mais je l'ai trouvée comme une femme forte, bien que à son âge déjà qui s'avançait et à son état de santé qui se montrait dégradé. Suzanne préparait toutes ses émissions de façon méticuleuse, rigoureuse. Elle écrivait tout, les questions, les relances, etc. Donc c'était du travail bien fait. Lorsqu'il fallait interviewer quelqu'un et lorsqu'elle préparait ses propres émissions, c'était très méthodique. J'ai participé à tout genre d'émissions de Suzanne, culturelles, politiques, etc. Et c'était jamais le hasard. C'était méthodiquement organisé. Chacun avait son rôle. L'impression qu'elle donnait aux invités était celle d'une anarchiste. De belles chroniques dans la presse écrite, comme à la radio ou dans les magazines de talk. Bref, une culture assez large et élargie. Un ancrage dans les cultures locales, quoique souvent imprévisible de critiques, même envers le régime de Yaoundé. Suzanne a su se distinguer par ses coups de gueule, qui n'étaient pas toujours appréciés par l'ordre gouvernant de Yaoundé, au point que nombre d'entre eux, dans leur condescendance, voulaient la réduire à une simple grande gueule. La presse camerounaise vient donc de perdre une figure emblématique, Suzanne Kalalobe, une voix incontestée des questions politiques et de liberté d'expression. Elle laisse derrière elle un riche héritage éditorial que le politique n'effacera pas de sitôt de sa mémoire. De noir ou de n'importe qui, c'est l'affaire d'être humain. Pour des raisons. C'est un véritable pilier de la chaumière qu'elle aimait tant et où on avait souvent des joutes oratoires. Et surtout, quand arrivait le vendredi et le samedi, nous avons cet orchestre de jazz. Elle aimait beaucoup le jazz. Elle chantait très très bien le jazz, je dois le dire. Mais elle chantait tout. L'Afrique de l'Ouest, le Cameroun. Elle chantait Eboilotine, elle chantait Dinabel. Et ce qui était très intéressant avec elle, c'est qu'elle n'aimait pas être en dessous de la moyenne. C'est-à-dire qu'elle pratiquait ce qu'on peut dire le cabaret, en ce sens que un morceau qu'elle chantait, elle le construisait, le déconstruisait, et toujours dans la même gamme. Et elle avait cette force-là de voir quelqu'un chanter et de déceler que la personne n'était pas dans la gamme ou la personne avait dégamé. Donc je dois dire que cette personne qui était multidimensionnelle n'aimait pas le bricolage et elle aimait beaucoup bosser. Je regrette tout simplement le fait qu'elle ait accepté qu'en fin de cette année, on devait faire une soirée Kalalobe où elle allait chanter le blues, le jazz et puis le makossa. Malheureusement, elle nous quitte très tôt et ce projet est obligé d'être éteint, mais nous gardons un souvenir vraiment particulier de cette grande dame. Elle était une militante acharnée du journalisme et de combat sur le plan littéraire aussi. Nous échangeions des livres très souvent. Et voilà, quand il n'y avait pas de nouveaux livres, c'était la première à... Je me rappelle le livre de Aman Mana, je l'ai eu avant elle. Et je lui ai donné le livre pour qu'elle le lise avant moi, parce qu'elle y allait plus rapidement que moi. Et elle m'a dit, ben écoute, si Aman Mana était là, il m'aurait envoyé le livre. Bon, il n'est pas là. Je vais lire d'abord avant toi, voilà.
Donc c'est un peu ça, la Suzanne que nous avons connue sur le plan culturel, sur le plan musical. Quelqu'un de conviction dans tout ce qu'elle faisait, elle le faisait bien. Et quand bien même elle prenait le micro, ce n'était pas pour dégamer, c'était pour faire quelque chose de formidable et tout le monde applaudissait. C'était ça, Suzanne. Ma Suzanne Kalalobe was indeed a brain to tap from. All those who worked with her say she was a walking encyclopedia, and there was no one that came across her and didn't go back with one or two lessons learned. She worked with so many media outlets, both in and out of Cameroon, and Dash Media was fortunate enough to work with her. She was a consultant at Dash TV, and she equally hosted the radio program on Dash Radio Pan-African. And during this period, she worked with a lot of Dash Media staff. All those who worked with her closely with her, they say she was a sweet soul, though she always showed very strictness out of Dash and in other professional milieus. But deep within, they say she was a sweet soul that was always ready to listen and teach you if you were open and ready to learn. In this report that is coming up next, you shall get the experiences of all Dash Media staff who worked with her, how the experiences they got while working with her. The departure of Suzanne Kalalobe, a bona fide journalist and news consultant for Dash Media, has left shock and emotions within the company. Nonetheless, beyond the wave of emotion, her colleagues cling to the last memories they recounted before the microphone. Each time Madame Kalalobe walks in here and probably she wants to print out her scripts, she does not allow you to do it for her. She wants to be the one to come sit here, use your laptop, do the printing out by herself. Nobody helps her. She does not want that. You should see through her information. She has to do everything by herself. You want to talk to her, she'll tell you she's also a worker in Dash and she has the right to use everything that belongs to Dash Media. The secretariat was Masu's first stop before tackling the most difficult part, the stairs, where she took her time, all the time. She was not to be rushed. Masu knew very well where she was going. Above all, she knew what to say and what stance to take during discussions. She was the face of the debate during the prime time on Dash TV. Ça dépend à quel niveau on se situe en examinant les coups d'État comme un fait sociologique, anthropologique et politique. When things got too heated, she would ease tensions, thankfully. We could see her then join in to express joy. While waiting for the 8 p.m. news edition, we put the music of Bob Marley at the broadcast here because there was so much joy in the atmosphere. Even the chef d'édition, Serge Bertrand ici, was there, and we did so much meddling. So, when Suzanne arrived, she joined the excitement right away and started singing, and we were all happy to see her sing. People from other departments came asking if it was a party that was happening at the broadcast. When everyone noticed that it was Suzanne, everyone was singing in the tune. It's really the best memory we can keep of her here. C'est vraiment le souvenir là, le meilleur souvenir qu'on peut garder d'elle ici à Dash. Several times, the video also benefited from her regal. Ma Suzanne hosted a show, The Pan-African, on Dash Radio 91.7 FM. As regards my time here with the late seasoned journalist Madame Kalalobe, the moment she came to Dash as a consultant, I used to work with her a lot because I'm a camera operator of him her during the prime time, during the debate. I would describe her as an intelligent woman who has mastery of a cross-section of subjects. She'll analyze, she'll give you in-depth analysis. In fact, she was a moving encyclopedia of knowledge. And during the debate,
She's so versatile. She will talk and other panelists will listen. And if you interrupt her, she'll say, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Je peux continuer? Je peux continuer? And she continues talking. That I liked. Mama Suzanne enjoyed her time. She particularly loved the beginnings of the month at Dash. Like a testament, she was preparing a big television show to tell her story. Unfortunately, this project will remain on paper. Suzanne Kalalobe, Maso, like we used to call her, has left, we'll say, a very big void here at Dash Media, because for the time that she was with us, she brought in lots of quality through her analysis, through her opinions. And one thing I loved about her was her independence. She had that independence to think the way she likes and push her conversation to a logical end. And when you discuss with her, she always has that tendency of bringing out what you have in you. Perhaps sometimes when I used to talk with her, I always used to have this grandmother and grandchild relationship, but one day she told me, "Mais est-ce que ma vieillesse vous fait peur?" We laughed over it, and I said, "No." He said, "No. Si tu as quelque chose dans le ventre, il faut sortir ça." And that really helped me to build my confidence in that debate with her, and we spoke at length, and you know, I learned a new perspective from the way I was thinking concerning that particular topic. The woman of character has left the stage. The lights on her beautiful career have dimmed. The renowned journalist, Suzanne Kalalobe, passed on to glory on Thursday, August 1, at the Douala Military Hospital following an illness. She was loved and respected by the entire staff of Dash Media. Now, lovers and sympathizers of the emblematic journalist who died at the age of 71 are talking of a devastating blow for the Cameroonian media. Merci à vous, Nedine Mebounet. De bons moments donc que Suzanne Kalalobe aura passé avec ses collaborateurs ici à Dash Media. Dash Media qui était donc le dernier organe de presse que Suzanne Kalalobe aura côtoyé. Et plusieurs jours après l'annonce de son décès, le 1er août dernier, les esprits sont toujours lourds. Ce sont plusieurs souvenirs qui défilent dans les esprits. Joviale, espiègle, mais surtout pleine de caractère, ses collaborateurs se rappellent de la femme d'impact qu'elle aura été ici, au sein du groupe de presse Dash Media. Le départ de Suzanne Kalalobe a laissé consternation et émoi au sein de son entreprise. Tout de même, au-delà de la vague d'émotions, ses collaborateurs s'accrochent aux derniers souvenirs qu'ils consignent face au micro. Chaque fois que Madame Kalalobe venait ici et qu'elle voulait imprimer ses scripts, elle ne vous permettait pas de le faire pour elle. Elle voulait s'asseoir ici, utiliser votre ordinateur, faire les impressions d'elle-même. Personne ne devait l'aider. Elle ne voulait pas ça, que tu regardes ses documents. Quand vous vouliez lui parler, elle disait qu'elle était aussi une employée de Dash et qu'elle avait le droit d'utiliser tout ce qui appartenait à Dash Media. That belongs to Dash Media. Le secrétariat, c'était le premier stop de Massou avant d'aborder le plus difficile, les marches d'escalier, où elle prenait son temps, tout son temps. Il ne fallait surtout pas la presser. Elle savait où elle allait. Mais surtout, elle savait quoi dire et quelle position adopter lors des échanges. C'était le visage du débat lors du prime time à Dash TV. Ça dépend à quel niveau on se situe en examinant les coups d'État comme un fait sociologique, anthropologique et politique. Si on examine ça d'un point de vue sociologique, on peut dire que ça n'aura pas d'incidence en Afrique centrale. Parce que nous ne sommes pas dans les mêmes trajectoires, dans les mêmes constructions d'État. Quand c'était trop épicé, elle détendait. Heureusement, on pouvait la voir alors joindre sa voix pour montrer sa joie. One love, let's get together and feel alright.
En attendant l'édition du 20, on avait mis ici à la diffusion, je crois qu'on avait mis le son de Bob Marley. On avait mis un son de Bob Marley et tout le monde, la joie, l'ambiance était là. L'ambiance était de taille. Même le chef d'édition de ce jour-là, Serge Beto ici, était là. On a tellement fait le bruit que quand Suzanne est arrivée, elle s'est seulement mêlée dans la foule. Elle a commencé à chanter, elle a chanté et c'est comme ça que nous tous, on a pris le relais, on est sortis. On était contents de la voir en train de chanter. Et même les autres venaient de d'autres départements pour venir voir, mais c'est la fête qui a la diffusion. C'est comme ça que quand on arrivait, on constatait que c'était Suzanne. Tout le monde chantait juste. C'est vraiment le souvenir là, le meilleur souvenir qu'on peut garder d'elle ici à Dash. Plusieurs fois, la radio aussi a bénéficié de sa rigueur. Maman Suzanne présentait une émission La Panafricaine sur les ondes de la 91.7. Son temps engagé n'aura pas été suffisamment valorisé, selon certains. Je suis très content aujourd'hui d'avoir été déformé par elle parce qu'elle m'a ouvert un peu l'esprit, elle m'a montré que dans la vie, il ne faut pas avoir peur de dire ce que tu as envie de dire, surtout quand tu es sûr de ce que tu as envie de dire. Mais je voulais profiter effectivement de ces micros pour passer un message parce que les gens aujourd'hui ne savent pas qui est Suzanne Kalalobé. Suzanne Kalalobé a été victime de son objectivité dans ce monde pourri de politique au Cameroun, où des gens, effectivement, dans un manichéisme, demandent aux uns et aux autres de prendre un côté, de prendre un camp. Elle est restée objective et n'a jamais voulu prendre du camp. Maman Suzanne profitait de son temps. Elle aimait particulièrement les débuts de mois à Dash. Chaque fin du mois, hein, j'étais toujours celui-là qu'elle aimait taquiner au téléphone à chaque fois, en disant, mais Serge, hein, que disent ces gens de la banque là? Est-ce que les salaires passent déjà? C'est vrai, ça me faisait pouffer de rire, mais c'était légitime parce que vraiment, ça dégageait de la bonne humeur et surtout que à la fin du mois, chacun est pressé hein, d'être rétribué à la hauteur de son travail. Comme un testament, elle préparait un grand show télévisé pour se raconter. Un projet qui restera malheureusement sur du papier. La mort a été plus rapide que nous parce que bien avant, nous étions en train d'amorcer un projet, les cahiers de route de Suzanne Kalalobé, parce que c'était toute une bibliothèque. Et le projet voulait que Suzanne soit en face d'une jeune journaliste et qu'elle nous parle de ce Cameroun qu'elle a connu, qu'elle nous parle de ce landerneau politique national. Parce que ce que beaucoup ne savent pas, c'est que Suzanne, certains l'ont découvert en 90 parce que circonstances présidentielles et tout, mais elle fait partie des premières militantes, celles qui ont fait l'école de Oum Niobe, qui connaissait ce que voulait dire la politique, la vraie. La femme de caractère a quitté la scène. Les lumières sur sa belle carrière se sont éteintes.
retour sur ce plateau que Suzanne Kalalobe, l'icône désormais, aura côtoyé. Elle avait toujours l'habitude d'arriver sur ce plateau à petits pas. C'était un plaisir toujours de la voir arriver sur ce plateau. Nous refusons d'être tristes cet après-midi. Nous refusons de pleurer, Suzanne Kalalobe. Mais nous lui rendons un vibrant hommage. Nous rendons un hommage à l'illustre femme qu'elle aura été, aux différentes batailles qu'elle aura menées. Chacun de ses collaborateurs ici à Dash Media aura quelque chose, a quelque chose à partager avec elle. Nelly Lapa. Exactly, Marivonne Dongo, as you rightly mentioned, we refuse to be sad, we refuse to cry because Suzanne Kalalobe, legend such as Suzanne Kalalobe, never dies. She lives on in our memory through her works as she has imprinted her footprints in the sand of time as we get ready to accompany her tomorrow to her final resting place. Dash Media staffs with whom she worked closely decided to bid her a befitting farewell. And you get how the experiences with the late Ma Suzanne was in this excerpt. Watch. Suzanne Kalalobe, je ne voudrais pas prononcer ce nom avec de la tristesse, non. Je refuse d'être triste. Je préfère être joyeuse, je préfère sourire. Ce qui montre que je garde de bons souvenirs d'elle. J'ai eu la chance de la côtoyer en tant que journaliste et en tant que femme tout court. Ça a été un immense plaisir. Suzanne Kalalobe, j'écoute son nom. Quand je suis encore très jeune, j'écoute ses différentes prises de position sur les plateaux. Elle parle avec courage. Je me dis, waouh, quelle femme. Je crois que ça a été l'une de mes motivations à faire ce métier. Je me disais, je veux être comme Massou, je veux être comme Suzanne. Je veux parler avec autant d'assurance. Oui, parce qu'elle avait cette assurance-là. Son départ aujourd'hui nous fait tous de la peine. Moi, en tant que journaliste, je suis triste, même si j'ai dit que je ne l'étais pas, finalement. Mais je suis triste de ce que je ne vais plus l'écouter sur les plateaux. Même jusqu'à ces derniers jours, elle était toujours aussi rigoureuse sur les plateaux. Elle était toujours aussi déterminée à vouloir changer ce qu'elle estimait qu'il fallait changer. Madame Suzanne Kalalobe is one of the pioneers female journalists in Cameroon. She is known for her unbiased way of reporting and doing stories that have the interests of the people at heart. She is one of the few who stands for what is right, irrespective of the consequences that may follow. She has left an indelible mark in Cameroonian media and will forever be remembered. At the time of her demise, she was part of the Dash Media team, and just to join my voice to say, may her soul continue to rest in perfect peace. Bien, qu'est-ce que je dirais de Suzanne Kalalobe qui nous a laissé? Il y a beaucoup à dire et il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire parce que déjà le travail qu'elle avait fait parlait d'elle-même, parlait pour elle-même. Suzanne, c'est une bibliothèque, c'était une bibliothèque que malheureusement on n'a pas voulu exploiter au Cameroun. Parce que cette femme incomprise, qui avait ses positions qu'elle défendait farouchement et qui, avec un certain retrait, on se rend compte qu'elle avait entièrement raison de prendre ses positions. C'était une fervente défenseur des droits, d'un retour à la terre, d'un retour à l'africanité même de la population noire. Ce combat, je découvre quand Suzanne devient ma collègue, ma collaboratrice, je découvre que Suzanne luttait, elle était panafricaniste dans l'âme. C'est un combat qu'elle menait déjà depuis l'université et peut-être même bien avant cela. C'est les valeurs africaines et camerounaises qu'elle a toujours défendues parce qu'il n'y avait qu'à la voir présenter son émission La Panafricaine sur Dash Radio le dimanche pour comprendre que elle était plus que ce qu'on avait l'impression de voir, qu'on avait l'impression de connaître. Il fallait s'asseoir là pour voir Suzanne se raconter et raconter. Malheureusement, son départ peut-être brusque ne nous aura pas permis d'exploiter Suzanne à fond
et de puiser dans elle ce qu'on aurait pu puiser. Elle aurait pu être professeure d'université, par exemple. Ça, d'ailleurs, était l'un de ses vœux. Malheureusement, cela lui a été refusé d'après ce qu'elle m'a laissé entendre. Donc, je crois qu'on a vraiment perdu quelque chose de grand. On a perdu quelqu'un de grand. Et nous allons la regretter. On espère qu'on aura une autre Suzanne Kalalobé qui va naître avec tout ce qu'on vit actuellement. One thing I remember, veteran journalist Suzanne Kalalobé, also called Masu, is her spirit of resilience. Masu will always come here at work, and she would not like you to give her a helping hand, either to climb the stairs or maybe help her print her papers or do anything for her. She always wanted to do it herself. And another issue which made her so special to us was the fact that she had that knack of pushing you to get the best out of yourself. When you discuss with her, you find someone who is knowledgeable, well experienced, and she had that knack of bringing in her experience into every discussion, because she has lived it, she has been with people, she has spoken to so many people, she has gone over time, and that really enabled us here to learn a lot from her. Masu is the one that will provoke you to study a debate with her just for her to, you know, enlighten you on certain things. And at the end of the day, you know, you cannot help but appreciate what a monument she was. So her demise is a very big loss, not only for Dash TV, for the team that is here, but for the entire media fraternity in Cameroon, because her influence was all over Cameroon and even across Cameroon. Her experience in militancy within the UPC greatly shaped her to be the kind of person that she was. She was not afraid to ask the questions which other people will usually shove under the carpet. She was very bold, and that is what she tried to imbibe in each and every one of us while she was with us here. So may her gentle soul rest in peace, and we do call on her family to remain strong, and that God should be with them. Prendre la parole aujourd'hui, parler de Suzanne après elle, est un exercice des plus complexes. Tout aussi complexe qu'était cette dame qui rentrait facilement dans les allures des grandes royales africaines. Une grande voix du journalisme qui s'est éteinte dans la nuit du 31 au 1er juillet dernier. Suzanne Kalalobé, c'est une dame qui ne passait pas inaperçue du fait de son port, du fait de son intelligence, du fait de ses remarques qui pouvaient être acides pour plus d'un, mais qui faisaient sourire ceux qui la connaissaient. Son franc-parler surtout. Qu'on aborde des sujets politiques, culture, environnementaux, Suzanne avait ses facilités à aller d'un sujet à un autre tout en maîtrisant ce sur quoi elle appesantissait son argumentaire. Suzanne parlait de politique et maîtrisait la chose parfois plus que les politiques eux-mêmes. Et elle aimait à rappeler ses années de militantisme, son apprentissage auprès de ses pairs, et elle insistait sur l'aspect de l'apprentissage parce qu'elle estimait que la nouvelle génération, oui, elle était critique, c'était bien elle, la nouvelle génération avait perdu le goût de l'apprentissage. Et elle n'aimait pas regarder cette nouvelle génération aborder le métier qu'elle aimait tant, le journalisme, avec une désinvolture. Suzanne, travailleuse et incomprise. Incomprise pourquoi? Je ne peux pas me prévaloir aujourd'hui de le dire ou de l'affirmer avec certitude. Autant elle était complexe, autant elle savait, comme seuls les sages savent le faire, cacher tout ce qu'elle ressentait lorsqu'il s'agissait de parler d'elle-même. Alors, avec légèreté, on verra Suzanne sourire, s'avancer du haut de ses 71 ans, un pas ferme, bien que fragile, qui avait choisi simplement d'avancer sans trop s'inquiéter de sa propre personne. Suzanne pensait avant tout République, elle pensait avant tout Cameroun.
Rarement je l'ai vue penser à elle, peut-être dans des soirs ou lorsqu'il s'agissait de musique, où elle se laissait aller, parce que Suzanne, c'était une amoureuse de la bonne musique. Autant elle aimait les plateaux de télévision, autant elle adorait être devant des grands artistes et reprendre parfois, même avec beaucoup de plaisir, quelques refrains de ces belles musiques. Mais n'allez pas chercher, il ne s'agit pas de cette génération, l'ancienne, parce que Suzanne, elle est restée jusqu'au bout, fidèle à cette génération-là qui, d'après elle, avait l'amour de faire les choses bien. Je préfère ne pas dire mes adieux à Suzanne, je préfère simplement dire qu'elle est là. Parce qu'en chacun d'entre nous, nous qui l'avons côtoyée, il y a un peu de Suzanne qui vivra éternellement de par son travail. Nous avons copié. On dit simplement, Suzanne n'est pas partie, elle dort. Merci Suzanne. Parler de Suzanne aujourd'hui, c'est comme rentrer dans une grande bibliothèque et ne pas savoir quel livre choisir. Suzanne, c'était cette grande dame qui pouvait parler culture avec amour, avec passion, qui pouvait parler économie, politique, sport, tout en gardant ses idées droites. Suzanne, c'était une amoureuse de littérature. C'était une amoureuse de poèmes, de poésie. C'était cette dame qui, sur un plateau du Prime, pouvait fredonner un poème qui l'avait marqué à jamais. Suzanne, c'était une amoureuse de langue. C'était une dame qui avait montré et clamé haut et fort son amour pour le Wolof, qui à chaque fois rappelait, même quand on la confondait à une Sénégalaise, et elle n'avait pas de souci à cela parce qu'elle était africaine. Aujourd'hui, j'ai eu la chance, je dirais même le privilège, de côtoyer cette grande femme, cette grande journaliste. Et je dirais tout simplement, c'est un honneur, Suzanne. Tu nous as laissé une empreinte indélébile. Et du haut, ou alors je dirais même, pour ma petite expérience dans le monde du journalisme aujourd'hui, je suis fière de t'avoir connue. Je ne dirai pas adieu, Suzanne, parce que tu as laissé une marque que nous prendrons la peine d'exploiter. Tu aimais le Cameroun, tu as toujours aimé ton pays, mais surtout tu aimais l'Afrique. Suzanne Kalalobe Masu, as she was affectionately called, is not dead. She sleeps. She will forever remain in our hearts. Her journey to eternity begins today. There shall be a vigil without corpse at her residence here in Bali Dwellers from 7 p.m. Tomorrow would be her funeral, her burial, in the strict respect of her family. And of course, Dash Media shall be giving you minute by minute updates on that funeral. Marivonne. Effectivement, Nelly Lapa, le déploiement se poursuit donc sur Dash Télévision. Vous vivrez en direct la cérémonie d'obsèques de Suzanne Kalalobe, de regrettée mémoire désormais. Et sur le plateau, nous avons Adrienne Nwodem qui vient nous entretenir davantage sur cette cérémonie d'obsèques, particulièrement le déploiement au niveau de Dash Media. Bienvenue à vous, Adrienne. Merci Marie-Yvonne Dongo, merci Nelly. Tout simplement pour rajouter que nous suivrons de bout en bout la veillée qui se fera sans corps au domicile familial à Bali, dans le premier arrondissement de la ville de Douala ce jour. Nous procéderons dans les différentes éditions du soir, les primes, à une retransmission en direct justement pour qu'on vive de bout en bout cet accompagnement, dernier hommage des proches, familles proches et le Cameroun entier dit au revoir. Le monde du journalisme dit au revoir à Suzanne Kalalobe. Et demain,
à la levée du corps à la garnison militaire de Douala demain vendredi 23 août 2024. Donc, levée de corps en début d'après-midi, 14h, suivi de l'inhumation à 16h. Ce sera dans la stricte intimité familiale, mais naturellement, nous accompagnerons la famille, tout comme les nombreux journalistes qui viendront certainement rendre hommage à Suzanne Kalalobé. J'allais dire, ainsi s'achève l'épopée, que dis-je ? Ainsi se poursuit l'épopée Suzanne Kalalobé, à l'image des grandes royales africaines. Elle s'incruste en filigrane dans l'histoire du journalisme camerounais. Et lorsqu'on a affaire aux grandes royales, je pense, Marie-Yvonne Dongo, la seule chose à dire, c'est merci. Merci, Suzanne Kalalobé.